Bonjour à tous. Pendant ces temps de confinement, nous sommes plusieurs à être amenés à passer beaucoup de temps devant nos écrans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les JT, les nouvelles, les informations confuses deviennent un peu lourdes. Et aussi, à un moment donné, Netflix n'a pas une programmation assez intéressante ou assez profonde pour nourrir nos esprits sans nous plonger dans la dépression. Donc, avec l'équipe Nosotros, nous avons pensé à vous conseiller quelques films qui ont une relation très très directe avec le tango et qui pourrait vous intéresser. Commençons par ce film si mythique qui s'appelle Scent of a Woman, Parfume de tango, qui était fait par Martin Brest avec le célèbre Al Pacino. Ce film vaut vraiment le détour. C'est un film qui vous aide aussi à passer le temps et à vider votre tête. Would you like to learn to tango, Donna? Right now. I'm offering you my services, free of charge. What do you say? I think I'd be a little afraid. Il lui suit un autre film qui a fait beaucoup du bien et beaucoup de tort aussi au tango parce que voilà, le tango nuevo a pris un essor extraordinaire suite à ce film. C'est le film The Tango Lesson, réalisé par Sally Potter avec ses célèbres danseurs et elle-même dans les premiers rôles. C'est un film vraiment qui vaut la peine d'être vu et que vous allez super, super adorer. Bonjour. Salut. Passe. It's been a long time. Yes, it has. Ready? Yes. We walk. Puis nous avons les films tango du réalisateur espagnol Saura. Ce film vaut aussi vraiment la peine. Ce réalisateur est expert dans tous ses films sur le flamenco et il s'est payé le luxe de faire un film sur les tangos. Après, il y a un film très récent que j'ai eu la chance de présenter dans quelques festivals qui s'appelle Our Last Tango. Ce film est très très beau, il raconte l'histoire de Maria Nieves qui était la danseuse partenaire de Carlos Copes. C'est un film avec beaucoup de styles mélangés, très puissant, très émouvant, avec beaucoup de très belles danses et des chorégraphies tant modernes comme des archives anciennes. Et il a été réalisé par Hermann Krall. Je vous le conseille vraiment, c'est un très très beau film. Il me reste à vous conseiller, effectivement, il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, mais voilà. C'est un film belge sur les tangos emprisants. Il s'appelle Tango Libre par le réalisateur Frédéric Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alice. On m'appelle Jean-Christophe. J'y sais. J'y sais. Quartier B, section 2, de 11h à midi, tu feras les visites au carreau. Puis une petite pépite, je sais que vous l'avez déjà vue, mais il y a une très belle scène de tango dans le film Moulin Rouge, dansé par Nicole Kidman et réalisé par cet auteur, donc je ne me rappelle jamais le nom, Baz Luhrmann. Voilà, ici c'est fini la première partie de nos conseils et arrive la partie cinéphile.